You look lonely. I can fix that. Uda, Takar Shwadam, Takar Udam Chawawisa Starsha Maga, Haul Gwana, Dami, Udam Yautan Mash Udams Haucha, Gwarbati Gaujata, Ya Udam Yauda Pacha. L'intro n'a pas changé. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 14e, déjà, épisode de Far Cry Primal. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez apprécié les derniers épisodes. Déjà, merci beaucoup pour vos retours sur tous les premiers épisodes. Pas mal d'épisodes que j'ai pu voir, vos commentaires là. Ça fait très plaisir, je suis content. J'ai vraiment cette sensation de ne pas faire ce let's play dans le vide. Et c'est juste un bonheur. Alors comme dit, dans tous les cas je me régale hein, Donc même si ça ne fonctionnait pas dans tous les cas voilà hein, mes let's play ne font pas beaucoup de vues hein, ça n'a pas de enfin je veux dire c'est clair. Donc, mais dans tous les cas je kiffe ce que je fais. Mais en plus de ça en réalité je vois quand même une partie qui kiffe tout simplement. Et qui m'ont d'ailleurs découvert sur d'autres let's play qui sont sortis même il y a cette année, l'année dernière, il y a deux ans. Des let's play sur différents jeux. Et qui du coup découvrent ce let's play là et merci à vous, voilà juste merci à vous. Installez-vous, bienvenue, le like, le commentaire. Vous êtes des boss, voilà tout simplement. Tiens, je vais récupérer les récompenses. Mais il n'y a rien à récupérer, on va dormir en ce début d'épisode. Et comme convenu du coup on va aller parler à Yoga. Non, c'est pas Yoga. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui nous pisse dessus là. Il me semble qu'il faut qu'on aille lui parler. Nous sommes les amis à la moitié du jeu. Voilà, spoiler alert hein. Enfin, quasiment à la moitié du jeu hein. C'est à dire en termes de progression, on est à presque 50%. Mais comme vous l'avez souligné en commentaire d'ailleurs, pour terminer le jeu à 100%, ça demande énormément de temps. Et à mon avis, on ne terminera pas le jeu à 100%. Cela dit, je compte me régaler jusqu'à la dernière miette. Donc, en profiter à 100% quand même, selon ma perception. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de faire toutes les grottes, à minima, quoi. Voilà, à minima, j'ai vraiment envie de faire toutes les grottes. Et on verra même par la suite tout ce qu'on peut faire au maximum. Voilà. Donc vous inquiétez pas à ce niveau là, on est à la moitié du jeu, donc ça ce qui est cool, ça nous laisse encore bien le temps largement de réfléchir hein, voilà. Je vérifie juste encore une fois, ouais. Ah il me manque juste peau de serre, ah, la hutte de Jaima, Mama Fadi. Et voilà tu te calmes hein. Allez c'est parti, oh là qu'est-ce qui se passe, bonjour. Papa! Papa! Cus-toi d'asta! Kagura, Piki, Udam Hazar! Twanta sai wadaha, darwa wai! Dasta! Bon, Winja shai wai! Ninja Damja Brava. Donc là on a récupéré ces bouts de bois juste pour ça. Bon par contre vous avez vu la technique hein. Se mettre de la bouse sur le tronc d'arbre hein, pour le rendre beaucoup plus dur. Je prends note et ça pourra toujours me servir. Voilà pour rendre plus dur mon tronc. Hop du poisson, ça fait plaisir. Et eh bien voilà, on a pu voir un petit peu ce qu'il a concocté, le petit pisseux là, hein, parce qu'il me traite de pisseux là, mais c'est lui le pisseux. La légende du mammouth, qu'est-ce que c'est que ce truc juste à côté là? Parler à la villageoise. Mais il y a vraiment des missions de village? Bon attendez, parce que je croyais que c'était des missions secondaires, mais ça m'a tout bonnement l'air d'être des missions quand même principales, visiblement. Et puis tant qu'on y est, autant parler à la villageoise qui depuis tout à l'heure me supplie et je la snob, ça ne se fait pas. Winja Shwarga Daha, Ushtao Maniaka Takar, Wadar Salwa Daha, Pafi. Et alors cela dit, vous avez raison de le dire, hein. Moi j'ai un problème avec l'évolution humaine. Déjà j'arrive pas à me rendre compte que par exemple Nelson Mandela est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi c'est une autre époque et c'est vrai, et pourtant il est contemporain large. Il y a des trucs que j'arrive pas à me mettre en tête, par exemple vous savez les Jeux Olympiques d'Allemagne. Allemagne, ah ouais, alors attendez parce que c'est les N-World. Donc le problème c'est que YouTube va pas kiffer. Mais en gros ça s'est passé à la même période où les États-Unis
faisait aussi de la ségrégation raciale. Et c'est un truc que j'arrive pas. Voilà, c'est des infos que j'arrive pas à coordonner dans ma tête. C'est-à-dire que je le sais, mais j'arrive pas à les faire concorder. Et donc, du coup, j'arrive pas à faire concorder non plus que à cette époque-là de la préhistoire, laquelle nous jouons, eh ben, ils étaient quand même assez avancés en réalité. C'est-à-dire qu'ils savaient que le sang, si tu saignes, tu meurs. Comme en commentaire, vous me l'avez expliqué. Et c'est vrai, pour moi, là, je suis encore à l'époque des dinosaures, machin et tout. Mais non. Donc, du coup. Bref, voilà, c'était juste la petite anecdote. Et donc, du coup, ce qui me fume, alors je sais pas si c'est réel, mais vous avez vu, elle dit water pour l'eau. Water. Genre, tu vas me faire croire qu'ils avaient déjà presque le mot anglais là, water. Bizarre, non? Ah, je sais que c'était pas non plus il y a un milliard d'années, mais. Et comment je rends l'eau de la rivière buvable là? Parce qu'elle m'a demandé de rendre l'eau de la rivière buvable. Tu veux que je fasse pipi dedans? J'ai pas compris là. J'ai pas compris comment tu veux que je fasse pour la rendre buvable. Attends, mais. Ce dialogue, elle servit à rien là. Ou je rêve? Oh, ils sont mignons les tourtereaux. Et si on faisait un plan à 3? Ça va, je vous dérange pas? Ah, je peux pas vous donner de coups. Non mais, hey, les gars, non mais je vous jure, ça n'existe pas. Arrêtez. Quoi? Mais quoi? Je suis trop curieux. La curiosité va finir par me tuer. Comment je peux rendre l'eau bonne? Faut que je me mette en dessous. Ah ouh. Mais c'est chelou ton truc là. Moi j'ai pas compris là. Vous devez mettre de la semence dans la rivière vous là pour que l'eau soit. Eh oh! Les tourtereaux là, on se calme! Oh putain, ça me rappelle tellement de bons souvenirs, bordel. Winja. Ouais bah Winja, regarde ce qu'ils font là. Ah ouh! Ah je suis mort! Eh la villageoise là, j'ai pas compris comment je te rendais l'eau bonne. Tu veux qu'on fasse pareil? Oh le lourd. Oui. Oui, bon bah je sais pas. J'ai pas compris comment rendre l'eau bonne. C'est peut-être une information à garder en tête. La légende du mammouth secourait le vénérable. Ah oui, alors par contre, depuis tout à l'heure là, on le snob aussi. C'est vrai, il faut le dire. Il faut qu'on aille le secourir. Il faut qu'on aille le secourir, tout simplement. Allons voir le chaman. Enfin, il me semble que c'est le chaman. À moins que on... je sais plus si c'est. Allez, je bégaye. Ah non, il faut vraiment que je boive encore là. Allez, c'est parti pour un petit trip, les amis. En de ce début d'épisode, on est reparti pour un trip, hein, tout simplement. Ça faisait longtemps en plus, de toute façon, donc ça tombe bien. C'est mardi, les amis. Wouhou! Donc, on reprend la peau d'un mammouth. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. J'espère que c'est pas un bug, mais je ne pense pas. Ok. Me revoici dans la peau d'un mammouth, un ancien pris au piège. Et je cours. Trouver le mammouth vénère. Vénérable, bien sûr. C'était une plaisanterie. Ah ouh, je fais pareil avec ma trompette, t'as vu ça? Timmy Trumpet, on m'appelle dans le jargon. Allez, je passe par la gauche, j'arrête à péter. Je suis un rebelle. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Hey! Attaque! Attaque! Wouhou! Attaque! Voilà! Ça dégage la racaille! Et moi je mets des coups de trompe similaires. Faut que j'aille en haut ou en bas en vrai? Allez, je vais en bas. Wouhou! Attaque! Oh. Ah oui, bien! Bien ça! Hop! Ça dégage la racaille! On défonce! On s'enfonce! Ah d'accord, je me suis pris un caillou. Alors un caillou, ça peut tuer un mammouth, hein. Petite astuce, hein, si jamais. Voilà, hein, c'est vrai qu'on peut lui mettre autant de flèches qu'on veut, autant de crocs, de dents de sabre, il ne meurt pas. Mais alors par contre, un petit caillou, hein, mon petit caillou, bah là il meurt. Hein, d'accord. Ouais. Bon, pourquoi pas. Après, je pense que le caillou doit peser sa tonne quand même. Hein. Enfin, bien plus qu'une tonne, je veux dire. C'est tonne, tu m'étonnes, ça t'étonne. C'est parti mon kiki. Eh ben, on va passer par au-dessus du coup. Ce sera peut-être un petit peu plus safe. Et on va même, tu sais quoi, parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur prête de l'attention, on va les snober là, les chasseurs là. On va simplement les snober, hop. Voilà. Allez, salut. Ah mais ça va s'effondrer ça. Ah non. Allez, salut. Hop là. Hop là. Je sais pas où c'est que tu visais, mais j'étais bien là. Ça dégage, ça dégage. Hop là, deux pour le prix d'un. C'est le même tarif. Paf. Et voilà le travail. Quel bonheur. Alors, un des chemins est plus risqué que l'autre, c'est sûr. Allez, on tente à droite. Adieu. Oh là, salut les petits cerfs là. Vous êtes gentils, hein. Adorable. Adorable. Ah ouh.
pourquoi je fais le bruit d'un loup, je ne sais pas. Oh non, le mammouth. Bon, c'est pas un mammouth vénérable, ça. Ah, le piège. Ouais, l'embuscade. Ah. Oh non. Je suis pris au piège. Voilà. Oh mais non, mais c'est pas possible. Je suis pris au piège. Et voilà. Ah, c'est bon, je peux sortir par là. C'est par là. Allez, hop, hop, hop. Allez, hein. Allez, hein, ça régale. Je suis vraiment mauvais en ce début d'épisode, vraiment, là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est comme ça tous les jours. J'ai proposé meilleur. J'ai proposé meilleur. Mais ouais, mais c'est le couple du début qui m'a aussi déboussolé, là. Sérieusement, ça touche mon bureau encore. Ça va, je rigole, évidemment. Je parle bien de mon nez. C'est parti. Alors, attendez. Écoutez, c'est férié aujourd'hui, je me laisse aller. Hein. Bon, ils sortent d'où là, les gars, de l'embuscade là? C'est quoi cette histoire encore? Ça va nulle part ici. Mais vous sortez d'où? Vous spawnez de nulle part aussi. Hop! 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 Allez, ça dégage! Ça dégage! Ça dégage! Ça dégage! Mama Fadi! Wouhou! Comment je l'ai envoyé en l'air lui? Pop! Ah, mais ça respawn à l'infini là! Ça respawn à l'infini, ça sert à rien. Ça sert à rien d'affronter, il faut partir. La meilleure fuite c'est l'attaque. La meilleure fuite c'est la... Enfin bref. Allez, on va aller là-haut là. Salut. Bam. Oh, il était lent celui-là. Il est lancelé. Ah. Ah. D'accord. Oh, je sais. Bam. Ça dégage la racaille. Oh. Voilà! Mama Fadi! Mama Fadi! Allez, foutez-moi la paix maintenant, là, ça commence à bien faire cette histoire. Mais non! Oh, c'est beau! Allez, avance! Fais pas de ta victime! Bon, un petit checkpoint, s'il vous plaît! Parce que là, si je vais dans l'eau, je meurs, non? Non, même pas? Ah, bah, je peux pas aller dans l'eau, en fait! C'est simple! C'est simple! Oh, mince! Oh, bah, là, il y a eu une belle scène de torture! Eh, faut que j'aille où, là? Là? Allez, Mama Fadi, j'adore. Trouver le mammouth vénérable, bah bien sûr. C'est toujours en cours, bien sûr. Allez, on va passer par là-haut, discrètement. On est tellement discret quand on court en plus, ça tombe bien. Il doit être capturé, à mon avis. Ah, il est là. Il est là. Libéré, tous mes copains. Et voilà. Tu es libre. Faites sortir le mammouth du camp. Allez, viens, on se barre. Par ici. Mais non, tu vas où? J'avais un chemin pour toi. Mais il est bête, ce mammouth. Il est bête. Touchez pas à mon mammouth. Laissez mon mammouth. Laissez mon mammouth. Voilà, bande de nulos. Vas-y, je libère tous les animaux. Oui, voilà. Libérez tous mes copains. Paf. On libère tous les animaux ici, c'est la folie. On fout le feu au camp. Voilà. Viens mammouth. Mais mammouth, arrête. Tu les as snobés avant là, fais pas genre. C'est bon, ils sont tous morts. Allez, viens bébé. Ah ouais, non mais là il est vénère là. Il est vénère mammouth. Bon, on va sortir par là. Non, il veut pas. Mais attends, mammouth. T'arrêtes de faire ton rebelle maintenant. Allez, on avance. Viens mammouth, c'est par ici. C'est par ici. Go, 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 go. Oh mais, hey. T'as fini de faire ton rebelle? Oh, il est lancelé. Il est lancelé. Je te couvre, vas-y. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, faites sortir le mammouth du camp, ça c'est fait. Oh wesh, c'est pas fini. C'est pas fini. Hop, hop, hop. J'adore le concept. Bon bah c'est par là, hein. Hop. Bah c'est pas par là. On va faire un petit tour. Voilà l'ours. Putain, l'ours il gère, hein. L'ours il gère, hein. Laissez mon mammouth.
Mais pourquoi il se bloque? Merde. Voilà. Aïe. Reviens là toi. Oh putain, et toi? Alors toi. Bon alors, ça c'est tout ce que tu mérites. Il est vraiment lancelet. Allez. Allez mon gars. Viens mammouth, c'est par ici. Non? Faut aller où en fait là? Faut aller où en fait? Ah non mais il fait son propre chemin. D'accord. Bon bah je vais te suivre alors hein, si t'as décidé ainsi. Ainsi va la vida. Ok. Oh il y a tous ses copains là-bas. Il les a vus aussi. Ouais. C'est chouette les retrouvailles hein. Let's go. Eh ben on est dans l'âge de glace carrément. Oh c'est beau. Oh c'est beau. On va voir une belle scène émotion. J'ai la larme à l'œil carrément. Et voilà. Merci à tous. Un ancien pris au piège. Eh hey, t'as vu l'ancien. Nous c'est la jeunesse. On a sauvé l'ancien wesh. Pardon. Ah c'est superbe. J'ai adoré cette mission réellement. J'avais peur de la faire mais je suis très content de l'avoir faite. Et je peux même recontinuer. Est-ce qu'on continue là cette histoire? On est où là? Ah carrément avec le soleil. Je reconnaissais pas notre endroit. Mais ça il faut faire ça jusqu'à quand là? Après ça nous donne des points de compétence. Menez vos amis en lieu sûr. Et on va, tu sais quoi? On va continuer les amis l'histoire du mammouth hein. Parce que là on est en train de suivre l'histoire du mammouth depuis le début. Et c'est vrai qu'on a fait une pause en fait entre tout ça. Donc là j'ai vraiment envie de suivre les aventures du mammouth jusqu'au bout. Donc là on a nos amis les mammouths qui partent finalement. Voilà, en troupe, ensemble. Mais ils ne sont pas encore en lieu sûr. On dirait une comptine pour enfants. La chasse aux chasseurs. Allez c'est parti. Mener les mammouths en lieu sûr. Donc on a 5 mammouths à protéger. S'il y en a un qui meurt c'est grave ou pas? Attention les pièges les enfants. J'arrive. J'arrive. Alors toi. Voilà. Hop hop. Superbe. J'adore cette scène. Je commence à kiffer en fait ces trucs là de trip là. Hop. 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 Alors toi, tu échapperas pas. Bon bah c'est pas moi qui t'ai eu, c'est pas grave. Ouais, ils sont vénères mes copains. Ils sont vénères mes copains. Allez go go go. On continue les amis, on lâche pas. Venez, c'est par ici. Bah, vous êtes très lent. Je suis là. Hein. Allô? Oh là là. Bon, ça perd la santé, mais ça régène un peu, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça régène, c'est pas mal. Bon, là, c'est une zone de guerre ici aussi. Là. Bah voilà, ça c'était clair et net. Attention, un piège ici, non? Même pas? Paf! Voilà. Je vais passer avec vous. Et voilà. Je savais qu'il y avait un piège. Je savais qu'il y avait un piège. J'arrive. Oh bah là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Vous avez cru quoi là? Vous avez cru qu'on allait pas vous voir? Attention ça va s'effondrer avec notre poids. Avance. Avance ou je t'avance. Ah ouais non mais là si vous m'empêchez de vous aider. Voilà. Magnifique. Bah lui, c'est, lui il carry tout lui. Hein. Lui il va mourir mais il carry tout. Hein. Paf. Paf. Voilà. Pas d'animaux libérés, dommage. Oh non, il y en a un qui est mort. Non. Ah si, j'ai libéré un jaguar, c'est bon. Non. Au moins un mammouth doit survivre. Ah bah ça va. Il en reste déjà plus de 3 là. Vraiment? Mais comment c'est possible d'avoir perdu si rapidement et pourtant je les ai pris sous mon aile hein. J'ai quand même vérifié hein. Au pire restez derrière les gars. Non. Oh. Alors lui je l'ai pas vu venir. Voilà. 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 Je stresse un peu j'avoue. Là il faut qu'on y arrive hein. Tu vas où là? Je ne sais pas.
venez les frérots. Chargez. Alors la suite, c'est par ici. Un petit cerf, très mignon. Allez. Oh, vous êtes lent. Et si on doit tout recommencer, ça va me saouler par contre, hein. Évidemment, ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas, parce que regardez. Oh ben, je l'ai vu le piège. Yoda, maître Yoda. Voilà. Oh, mais hé, hey, les deux pieds dans le sac. Go, go, go. Paf. Qu'est-ce qu'il veut? Mama Fadi. Ils sortent d'où, eux, là? Vous sortez d'où, là? Vous sortez d'où, là? Il faut un cap clair. Allez, va rejoindre ton pote, toi. Oh, il a volé. Il a volé. Alors, toi, tu touches pas mes mammouths. Bah, du coup, tu l'as touché, mais... C'était pas comme ça, quoi. Voilà, c'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, mais ils sortent d'où, là? Mais... Attaque! Eh, c'est incontrôlable, hein. Je vous assure, c'est incontrôlable. T'as juste l'impression que je sais pas jouer. Et pourtant, les gars, j'étais mammouth dans une autre vie, hein. J'étais mammouth dans une autre vie. Allez, nique ta race. Oh, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Non, vraiment, là? Mais attends, comment il m'a one-shot avec un bout de bois, là? Et voilà. Ah ouais, non, mais là, c'était mon angoisse totale. Après, je suis en difficulté difficile, on le rappelle. Bravo à moi, encore une fois. Comment c'est possible? Comment c'est possible, sincèrement? Allez, hop. Cette fois, je vais pas les louper. Ça, je te le dis, mon gars. Par contre, ils ont toute la vie au maximum, les mammouths. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Ah ouais, il m'enlève quand même pas mal de dégâts, ouais. Eh, tu vas où? Au pied. Voilà. Bon, je vais m'occuper de cette partie-là. Il faut mourir. Hop. Voilà. Voilà. Chargé. Hop. Voilà, on se le fait à deux. Mais quoi? Mais quoi? Non, et là c'est pas possible. Je meurs au même endroit, il doit y avoir un piège que j'ai pas vu. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Non, là ça commence vraiment à me saouler. Là, là ça commence à me saouler. Je vais rien faire, je vais laisser mes mammouths gérer. Parce que là c'est ça qui me fait tuer peut-être, ces genres de pièges. Mais non, je les attaque. Non, je comprends pas. Pourtant je fais gaffe à ma santé. Je... Hop. Ah, y a peut-être des pièges que j'ai pas vu, mais c'est bizarre. Oh, l'esquive de la loutre. Voilà, il faut mourir. Non, c'est, y a pas de piège en fait, hein. Y a pas de piège. Là, je suis au max de ma santé, les gars. Il s'agirait de pas déconner, quoi. Bon, au pire, tant pis s'il meurt, les autres, il en faut juste un en vie, quoi. Dégage. Mais dégagez, bordel. Allez. Voilà. Ah ouais, ça y va fort. Je vais rester dans cette zone là, parce que ici au moins je vais pas mourir. Mais vous sortez d'où? Voilà, allez les mammouths. Moi je reste là, moi je vous ai assez sauvé le cul, hein. Voilà. Voilà. Bah voilà. Donc t'es en train de me dire que je mourrais alors qu'il en restait plus que un ou deux. Je vais péter mon crâne, hein. Pourquoi je mourrais là? C'est pas ça qui m'a tué, c'est bizarre. Pardon. Très bizarre. Un petit checkpoint, ce serait cool, en vrai. Parce que là, il est hors de question que je recommence. Servez-vous de votre cri ralliement. Ah ouh. Là, on est vénère, là. Là, on est vénère. Oh, oh le bâtard. Ou alors toi. Voilà. Oh, ils sont même tombés dans leur propre piège, tu sais. Yala. Ah oui, non, là ma santé, je suis dans la merde, là je vois ça. Hop, je me cache et j'attaque. Alors toi t'as un lumière.
Alors toi, oh non. Hop. Hop. Ok, magnifique. Par ici, les amis. Yes. Voilà. Allez, monsieur l'ours, régale-nous. Petit ours brun. Paf. Aïe. Oh non. Il m'a pas vu sortir. Grosse erreur. Voilà. Encore 3 mammouths en vie, c'est pas mal en vrai. Ouais, mais ça respawn hein. C'est détestable ça hein. Hop. C'est détestable. Oh, tu les regardes pas, ils respawn. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve les jeux scriptés comme ça. C'est Far Cry, je sais. Allez. Voilà. C'est très satisfaisant les coups de trompe. Il faut savoir que je maîtrise parfaitement les coups de trompe également dans la vraie vie. Incroyable. Très tendancieux cet épisode, je le conçois parfaitement évidemment. Mais finalement c'est ce que vous aimez je pense. Allez. Vous êtes aveugle ou quoi là? Oui, vous avez pas vu là? Allez. Qu'on en finisse ça. Cri de ralliement, bien sûr je crie de ralliement. Oh non. Ouah, j'ai failli faire échouer la mission, je suis mort. Oh là, ça aurait été trop moche. Oh, y'avait pas de checkpoint avant. Eh bah j'ai eu de la chance hein. Là au moins, voilà. On a eu un checkpoint. Allez les enfants, regardez ces beaux aigles. Il serait temps que ça se finisse hein. Alors est-ce qu'on peut aller dans l'eau ou pas là? Je crois que j'allais mourir. Il y a du poison là. Ce serait pas ça qui m'a tué? On peut aller dans la flotte en vrai là? Ah ouais. Les enfants c'est sûr, venez. Venez, venez. Ah non! C'est injuste. Bah ouais, mais je fais comment? Allez, 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 allez. Ah, ça, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Libérer les mammouths. Oh non, on s'est fait capturer, genre. Bon, bah vous êtes prêts? Vous êtes prêts à faire la fête? Ah ouais, on aurait été mieux quand même à 5. Hein. 3, 2, 1. Libérer tous mes copains. Wouhou. Ah, c'était gênant. Hein. Allez, on commence par celui de la droite. Il est plus proche. Hop. Hop. Tu pourrais faire un effort quand même. Voilà. Voilà. Personne à libérer ici. Ouais. Eh, plus on est de fous, plus on rit, hein. Petit ours. Joins-toi à la fête. Ah. Eh, il y en a même un qui s'est libéré, hein. Il y en a même un qui s'est libéré. Attends, je vais libérer le rouillard là. Il a l'air un peu plus fragile que les autres. Voilà. Dégage. 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 Échappez-vous de la forteresse. Hein. Bah, ils connaissent déjà le chemin, visiblement. C'est pas mal. Voilà, c'est par ici, frérot, viens. Hop. Voilà, voilà, on y va. Salut. Wow. Oh, la triplette. Oh. Oh non. Putain madre. Voilà. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Paf. Paf. Voilà. C'est un plaisir. Et je crois, je suis pas sûr, mais que la clique s'agrandit, les amis. La famille devient grande. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ah, et ben, bonne chose de faite. La chasse aux chasseurs terminée. Mais bon, à mon avis, l'aventure n'est pas finie pour nos mammouths. Si vous voulez mon avis, est-ce qu'on continue ou pas en vrai? Ah, eh ben on peut pas continuer. Non mais attendez, y'a rien qui s'est mis à jour encore. Y'a rien qui s'est mis à jour encore. What the fuck? Allô? Ah. Pourquoi y'a plus rien au village? Attendez. Attendez. On dirait un vieux bug de console. Sauf qu'on est sur PC, ça n'existe pas.
Et bien alors, on peut encore faire des trucs ou... Pourquoi j'ai pas de points de compétence? Non mais attendez, pourquoi je peux rien faire au village? Non, là il y a un truc qui m'échappe, il y a un bug. J'ai même pas accès aux huttes. Ah ah! Ça c'est un sacré bug. Ça va? Attendez, vous savez quoi? Oh! Il y a un bébé qui pleure. Ou qui gazouille, c'est comme vous voulez. Attendez, on va dormir, on va voir si je peux, dormir. Bizarre ce bug là. Non, c'est pas là chez nous, je suis perdu. Bon, le soleil se lève, mais c'est pas grave. C'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus les huttes? Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Il fallait pas que je fasse l'histoire des mammouths? Chelou ça. Non mais c'est un bug. C'est un bug parce qu'il y avait plus les points en fait il y a plus aucune mission sur la carte. Je crois, c'est bizarre ça. Hein? Comme par hasard. Ben voyons. Très bien. Je récupère des ressources. Est-ce qu'on n'a pas de la peau de cerf par hasard? Non mais on a de la peau de blaireau. Peau de singe. Oh sympa ça. Vous avez vu, on commence à avoir des trucs intéressants en vrai. Bon, c'est toujours pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Ça y est, j'ai une sauvegarde. Mais pourquoi j'ai pas de point de compétence supplémentaire? Regardez, je suis censé avoir un point de compétence supplémentaire. Je n'ai plus de mission. J'ai plus de mission là. Je viens de claquer toutes les missions vraiment. Ah si, là, regardez. Tensai le chaman, voler le masque de Krati au Isila. Ah, la suite se passe ici. Donc c'est bon, mais pourquoi j'ai pas accès aux huttes? Il y a un truc qui est quand même bizarre. Je n'ai pas accès aux huttes pour les améliorer là. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Bah écoutez, on va continuer par là. De toute façon, j'ai envie d'aller plutôt dans cette zone de la map et on va continuer vraiment dans l'ambiance Tensai le chaman. Par contre, cette grotte a été explorée. Il y a des points d'interrogation ici, donc des lieux inconnus. Donc on va se téléporter là. Ouais, l'avant-poste du lac pourri, on s'en souvient, c'est dans le dernier épisode si je dis pas de bêtises. Et on va explorer ces petits lieux inconnus, histoire de gratter un peu d'XP ici et là. Et puis du coup on ira voir Tensai le chaman voler le masque. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Des fois tu peux t'attendre à des missions de zinzin et en fait ça dure 5 secondes chrono hein, et c'est super simple. Puis des fois tu t'attends à une simple mission et au contraire la mission dure très longtemps, très difficile. Donc voilà, on ne s'attend à rien, on n'est jamais déçu de toute façon. Alors on va tous mettre au max les pièges, je peux pas en faire davantage, il me refaut du bois dur. Ah, j'ai fait des flammes, j'ai fait des flèches à la place. Je suis dans la zone de cerf là aussi il me semble hein. Comme dit, si je peux avoir un cerf rare ça peut être pas mal. Ah oui, j'ai un ours, c'est vrai ça. Moi je veux le dent de sabre. On ira bien plus vite. Attends, ça je récupère aussi. Bouge pas. Oh. Tac. Voilà, travail d'équipe. Travail d'équipe. Bravo mon pote. Hop, fouillé. Est-ce que je vais tenter un truc? Ah bah c'est bon, il est full life. Non, j'allais dire, est-ce que je peux lui monter dessus sans le soigner? Parce que ça commence à me saouler de le soigner à chaque fois. Allez, on va monter par là. C'est quand même plus... c'est quand même plus sympa à dos dedans de sabre hein. Qu'en pensez-vous? Tu as besoin d'aide? Attendez, une petite mission secondaire sur le chemin. Ça dépend ce que tu vas me demander hein. Parce que j'ai pas que ça à faire. Par jeu, des Isila libère des Wenja pour mieux les chasser. Libérez les prisonniers. Restez discrets sinon les otages seront tués. Les Wenja secourus augmenteront la population de votre village. Un point de compétence, allez. Et en plus c'est sur le chemin je crois. Ah bah c'est sur le chemin. Eh les gars, c'est juste à côté du lieu inconnu. Allez, c'est parti. Vous avez compris, c'est des vrais psychopathes hein, les Isila également hein. Mince. C'est des vrais psychopathes hein. Donc, ah oui. Ah oui. On a 4 otages. 1, 2, 3, il est où le 4ème? Ah, il est là-bas. Donc je dois les libérer, mais évidemment tuer les autres. Est-ce qu'il y a des gars qui sont cachés là? Non. Ah ah. Ah non. Oh bah c'est simple, un petit point de compétence gratos. On dit pas non. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Tu vas attaquer lui. Voilà.
toi, tu vas rien faire de là-haut. On reste discret, bien sûr. Ah. Bah voilà. Les ennemis attaquent les prisonniers. Non, non, tu vas rien faire du tout. Arrête. N'attaquez pas. Échec. Allez, hein. Vous êtes vraiment des bâtards. Ah, parce qu'en plus, ça échoue la mission. Ah, bah c'est pas grave. On la refait. Et en plus, regardez, j'ai reçu un point de compétence. Ah, mais non, il me l'a pas compté. Ah, le bâtard. J'avais reçu un point de compétence. J'ai trop le seum. Ouais, mais ils auraient pas dû me cramer comme ça. En fait, c'est parce que j'étais pas caché. Putain, m'énerve ça. Voilà, là, ils me voient pas là. Là, ils me voient pas derrière ce caillou. Donc là, c'est bon. Mais non, reste là, mais j'en ai marre. Mais je me trompe de touche. Bon. Du coup, je disais. Bah tu sais quoi? Tu vas te mouiller, tu vas attaquer lui direct. Toi, tu vas rien faire. Et là, comme ils me voient pas, ils feront rien aux otages. Voilà. Attaque. 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 Voilà, j'ai reçu un point de compétence. Attaque là, fais quelque chose. Voilà, t'as vu, il touche pas aux villageois les cons. Voilà, on fait tout à distance. Voilà. Et le dernier. J'adore. Je suis immortel avec le dent de sabre. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Succès. Let's go. Warpati. Ils sont où les autres? Ah là. Ah, t'es déjà détaché toi? Ok. Cascade de la pierre plate. Ah, t'es là toi. Ok, bah voilà, une bonne chose de faite. Mon point de compétence, il est où là? Eh, hey, il est où mon point de compétence là? Ah, c'est bon, j'en ai 3. C'est pas mal, hein? 3 points de compétence, ressources rares. Je suis apprivoisé des prédateurs usés, mais on s'en fout ou pas? Ours des cavernes, mais qu'ils s'en fout? Ah, ça peut me sauver en vrai. Ça peut me sauver. Allez, comme ça, c'est fait. Messieurs, dames, compétence, maître des bêtes, on est au maximum. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Alors, il y a un petit trésor ici, là, non? Pas du tout. Ah, si, là. Bah, voilà, c'est de l'érable du sud, mais comme je suis full, ça ne sert à rien. Voilà, une bonne chose de faite. On fait des bonnes actions, hein. Allez, on va au prochain lieu inconnu, qui se trouve là-bas. Ça, ça fait plaisir. En vrai, les petites missions secondaires comme ça, ça fait toujours plaisir parce que ça donne justement les points de compétence. Donc, en vrai, ça régale. Et il y a un masque easy, là, d'ailleurs, sur le chemin, là. Je sais pas où. Vous entendez les otages qu'on a libérés? Ils se font attaquer, c'est marrant. Hein. Il doit être par là. Ah bah c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas le grand plongeon? Let's go! Incroyable. J'ai adoré ce moment. Tac. Alors. C'est marrant depuis qu'on a le... Il m'a fait trop peur lui. Depuis qu'on a l'antidote poison, on l'utilise pas encore. Oh mais attends, j'ai tout débloqué. Stimulant ultime. J'avais même pas vu ça. Racine rare, feuille rouge, viande, guérison, 6 barres de santé. Combine les effets camouflage olfactif, inifuge et stimulant de vitesse. En fait, ça combine tout. Oh, mais avec ça, je suis le roi du pétrole. Incroyable, il y a un feu de camp ici, mais je l'ai déjà débloqué, je pense. J'ai déjà débloqué, non? Non, même pas. Ah si, j'ai déjà débloqué. Ah. Oh. Hop. La flèche. Oh là, on s'est tiré dessus en même temps, j'adore. Gros nul, va. Allez. Pas le temps pour vos conneries. Moi, je continue notre avancée, bien sûr, épique. Ah, j'espère que vous vous régalez. Hein. J'espère que je vous régale. J'en ai fait des conneries dans cet épisode. Oh, c'est beau. Totem de l'eau suave. C'est bien mignon ici. En parlant de totem, il y a un totem d'ailleurs. Oh, c'est super sympa. On va passer par là.
c'est super sympa ici là. Hop là, troisième totem sur 12. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut les trouver. Depuis quand je peux marquer les... Depuis quand je peux marquer les ennemis en les visant là? Enfin les loups et les animaux. J'ai débloqué ça quand? Ici, marquage d'animaux. Ah top. Top. Augmenter les dégâts que vos armes infligent aux animaux. Mais non, on fait pas de mal aux animaux nous. Ah c'est pas mal ça de pouvoir les marquer. Attendez, il y a une pierre ici là aussi. Évidemment, elle va être là-haut. Ah mais non, il y a une grotte. Mais attendez, il y a une grotte, mais elle est pas marquée comme grotte. Ah, elle est en haut. Ah non, c'est juste une tanière. C'est juste une tanière, d'accord. Sympa. Très sympa ici. Bon, bah on va monter du coup. On va monter, il y a un petit grappin quelque part où on se fout de ma gueule. Non, on se fout de ma gueule, ok. Maintenant que je suis descendu, hein, évidemment. Go monter. Putain, ils arrêtent pas de crier. Wesh. Alors toi, t'as pas vu mon dent de sabre, hein. Attaque. Attends. Paf. Voilà. On y va à la main direct. Ouah, c'était un pot tigré. Pot de loup tigré rare. Ah, ça c'est top. Ah, ça c'est top. Ça c'est top. J'aimerais bien une peau de serre rare, mais en tout cas ça c'est parfait. Est-ce que maintenant au village il y a de nouveau les trucs là? Ah ça y est, voilà, c'est réapparu, c'est bon. Le foyer de la... Ouais, ok. Y a plus rien à faire au village pour le moment. Hein. Comme quoi, on a bien fait. Alors, la main d'Aïcha. Bien sûr. Je vous dis de toute façon, on va toutes les trouver. Hein. Par contre, hein, il est hors de question que je finisse ce let's play sans avoir fait toutes les mains d'Aïcha. Surtout qu'on est à 31 sur 100. C'est la merde. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, bah il y a une main d'Aïcha ici, plus un lieu inconnu. Et on arrive, on arrive à la fin de la map ici. Ah non, pas du tout, ça continue en bas encore. Mais on arrive sur un cul-de-sac ici. Donc on va faire une boucle. De toute façon, on va arriver chez Tensai, hein, le chaman. Hein. Donc, allons-y, j'ai peur. Ah oui, donc j'ai pas le choix de le soigner pour le monter. Tain, c'est chiant ça. Voilà. Hop. On se bordille. Allez, on s'arrête pas, on trace. Hein. Là, on s'arrête pas, on trace. Trace, trace, trace. Hop, voilà, entre les deux arbres, ça fait toujours plaisir de se prendre un tronc dans la face. Salut les rouillards, bon feu à vous. Régalez-vous. Oh, il a son oreille qui saigne, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà vu. Bah là, il faut que je monte. Là, il n'y a pas de... Mince. Il n'y a pas de secret, mais qu'est-ce que je fais là? Je me trompe de touche tout le temps, ça m'énerve. Allez, tu grimpes avec moi, mon petit dent de tagre. De mon petit dent de sabre, pardon. Hop! Magnifique. Quel perfect. Voilà, voilà. Bon, à ce stade de la préhistoire, comme dit, hein, ils étaient comme dit bien avancés, donc ils savaient faire des grappins. Je pense même qu'ils savaient voler. Hop là, la main d'Aïcha, ça régale. La feuille rouge, ça régale également. Hop, on va passer par ici. Hein, si déjà cet arbre nous propose ce chemin. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais il a des super pouvoirs, Takar. Takar. Takar Washi. Et je commence à parler préhistorien. Hein. Allez, petit effort. Ouais, d'accord. Wata. Ça, c'est de la Wata. Plus communément appelé de l'eau dans le jargon préhistorien. Alors, camp de la pierre ombreuse. Il est où le gars qui me voit mais que je vois pas? Attaque avant que tu te fasses attaquer, purée! Paf! Dommage. J'adore. Il fait pas d'effort, hein, mon dent de sabre là. Hein. Vous avez vu, hein? Là, il y met de la mauvaise volonté. Hein. Un serpent. Attention. Attention tout de même. Peau de chèvre. Oh mais attendez, il y a moyen qu'on trouve de la peau rare là. Mais je viens de capter seulement qu'il faut faire très attention à ces villages. Hein. Parce qu'on peut choper des trucs. C'est quoi ce bruit? Il y a peut-être des peaux très 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 intéressantes. Hein. Ce qui m'étonnerait parce qu'ils ont l'air un peu débiles. Là. Ah, c'est que de la peau de chèvre. Mais c'est pas mal la peau de chèvre en vrai.
Avec ça, je peux faire un business, mon gars. Regarde, c'est de la peau d'ours, non? Je peux pas prendre ça? Peau de chèvre. Bah, attends, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ouais, mais tu fais d'escalade, toi? Même moi, je peux pas grimper! Comment t'as fait? Ah, si. Magnifique. Là, je me suis dit, ça y est, c'est un super héros, le gars. Peau de chèvre. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Bah, côté, on va continuer par là, du coup. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais là je peux sauver personne, là ils se font attaquer par des aigles. Pourquoi je peux pas attaquer lui? Attaque! Mais attends, il y a... Monsieur... Non mais monsieur, il faut mourir. Monsieur, il faut mourir. Monsieur, il faut mourir. Mais frère, meurs. Meurs. Mais t'es pas un mastodonte. Arrête. Arrête. Non mais... Hey, c'est... Ce jeu, c'est une catastrophe. À ce niveau-là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien de plus débile que ce qui vient de se passer. Et en plus je respawn là. Alors que j'étais là en bas là. Vraiment? Ah bah ouais, parce que j'ai pas pris le feu de camp ici. Oh punaise. Alors déjà toi tu mérites d'être soigné. Parce que c'est... Là on vient de vivre une injustice totale. On vient de vivre une injustice totale. Je veux te monter par contre. On va pas passer 3 heures quand même. Merci. Bon, on va se choper le masque easy là-haut là. Et on va enchaîner et on va arrêter de sauver les gens parce qu'on n'est pas non plus Joséphine Ange Gardien. Voilà, d'accord, il faut le savoir. Hein. Nous ne sommes pas Mimi Mati. Bonjour. Voilà. Heureusement, tout va plus vite. Voilà. Il se passe des choses. Voilà, bonsoir. Il y avait des poules, hein, comme vous pouvez le constater. Des poules qui se promènent. Des poules sauvages. Des poules préhistoriques, hein, finalement. On va longer par là. Putain, c'est fou là le mastodonte là. C'était même pas un mastodonte, c'est ça qui m'énerve. Ok. Bon. Et bien du coup il est où le truc? Il est là. Hop. Yes, ça marche bien. Ma gueule. Tu rigoles là? Non mais tu rigoles. Oh. Non mais là c'est là merci. Non parce que là j'ai usé je sais pas combien de flèches. À un moment donné faut arrêter de se foutre de moi. Et puis là du coup on va continuer par là. On a un feu de camp, donc un nouveau respawn. Oh, un point de compétence aussi, ça fait plaisir. Et on va arriver enfin chez le chaman, hein. Tout simplement, il nous a manqué le chaman. 5ème masque Izila sur 25. Bon, les masques Izila, c'est pas dit qu'on les fasse tous. Moi c'est surtout les mains d'Izila qui m'intéressent. Ça fait mal, hein. Mais alors attends, parce que là, regarde, c'est la chute. Là, c'est la dengrangolade. Ah. Ah, on est bloqué. Ah bon, c'est bon. Allez. Oh là 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 là. Oh, les collisions de terrain, c'est terrible. Hein. Ça va, ça se repose, tranquille. Pardon. Warpati, pardon. Je voulais pas te lever tel quel. Pardon, les chèvres, pardon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne sais pas. Le feu de camp s'il vous plaît. Voilà. Et du coup... Et du coup, tombe du Kalni. Très joli. Très 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 joli. Oula, bonjour. Oh. Oh. Trop stylé. Très 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 stylé. Oh s'il te plaît, dégage putain. Voilà. Et là. Oh. Il est où le machin là à détruire là? Il est là. Oh ok. De l'érable du sud là. Superbe. Allez, Tansai le chaman
sur le chemin là. Et en plus on a un masque Isila également sur le chemin, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas me foutre la paix? Eh, hey, tu viens m'aider toi? Sans déconner quoi. Alors yeah. Le masque d'Isila, il est là. Foutez-moi la paix vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici là? Je vois rien avec ma vision de chasseur là. Mais oh les headshots. Événement Wenja terminé. Et il va se détendre. Bon, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, j'ai adoré ce moment. Allez, Tensai le chaman, j'arrive, hein, difficilement, mais sûrement, hein. Voilà, hein. Ça s'apprivoise, ça? Non, j'ai pas l'impression que ça s'apprivoise, ça. Mais tu vois, ça sert à rien ça sert à quoi d'apprivoiser un grand ours balafré? Regardez. Le meilleur que j'ai, c'est le dent de sabre croc de sang. Les autres, ils sont tous nuls par rapport à lui. Non, mais là, c'est la bête ultime, celle-là. Moins discrète, mais... Non, c'est la bête ultime. J'ai pas besoin de peau de ça, je crois. Hein. Je crois pas. Je ne crois pas. Allez, on a des choses à faire. On a des choses à faire. J'arrive sur zone. Masque de Krati. Masque de Krati. Entrer dans la grotte sacrée et voler le masque de Krati. Ok. Donc c'est le masque de feu. Hein. Souvenez-vous, on avait vu ça dans les visions justement. C'est quand on a brisé la lune. Il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble. Donc là, ça risque de partir en couille. Je pense que c'est une grande mission qui nous attend. Je pense. J'ai pas de quoi enflammer mes flèches. Oula. Ah si, là je pourrais l'enflammer, mais j'ai pas envie de gaspiller là. Parce qu'à tous les coups, il va y avoir de l'eau. Voilà. Il y a de l'eau. Voilà. Si jamais vous voyez pas bien sur YouTube, il y a de l'eau. Hop, le plongeon. On voit mieux sous l'eau que dans la grotte elle-même. C'est marrant. Hein. Là, on a une bulle d'air. Pas mal. Ouais, pas mal. Bon, là, à mon avis, on va avoir un bel accueil. Non, même pas. Oh! Ah bah si. Voler le masque de Krati. Je suis bloqué. Bon là je peux envoyer mon hibou hein. Voilà. Pas déconner hein. Donc le masque il est là. Il est sur un totem, sur une sculpture. On a un lanceur d'alerte. Là on va vraiment scanner tout le monde. On va rien laisser au hasard. Oh putain, on a un lanceur d'alerte ici. Donc on a deux lanceurs d'alerte. J'ai pas vu s'il y a une alarme à quelque part par contre. Est-ce qu'en haut il y a du monde? Non, il y a personne en haut. Ah. Non, en haut il y a personne. Limite en haut on pourrait y aller, c'est pas mal. On aurait pas pu venir par en haut direct? Bon là le... Ah ah. Ok. Y'a pas de truc de renfort là? J'ai pas l'impression. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va attaquer les lanceurs d'alerte, hein, très important pour éviter les renforts. Il se passera. Ouais mais ils vont me cramer. Ils vont me cramer. Ouais. Faut que j'attende que l'autre se barre là. J'en profite pour refaire un tour. Y a forcément des trucs que j'ai loupés. C'est très stylé. Ok. Non bah y'a rien d'autre. Ça m'a l'air assez simple. Ça m'a l'air assez simple. Hop. Et là faut que j'attende 30 secondes. Donc là j'espère juste que personne va stresser. Ah, ça commence à courir.
Ça commence à courir. Et c'est vrai qu'ils sont au courant de la légende du maître des bêtes, hein. Donc en vrai, je pense que... Bah, je pense que je suis quand même cramé. Mais c'est pas grave. Allez, 10 petites secondes à attendre. On prend l'option de facilité, hein, les amis. Oh oh. Oh oh. C'est bon. Hop, donc là, faut juste pas que je me foire de cible. Yes. Voilà. Bon, là, mon tigre, mon dent de sabre, il peut pas venir, je pense. Ouais. Dommage. Bon, bah, c'est pas mal. Après, on peut faire ça comme ça, hein. On peut utiliser la chouette toutes les 30 secondes, en vrai, hein. Par où je pourrais m'infiltrer, là? Oh, bah, j'ai déjà failli me faire cramer, alors... Oh, elle était belle. Elle était belle. Trop le seum. Viens voir. Ah, gênant. Bon bah là je suis cramé. Ah, ça fait chier, putain. Ah, ça fait chier. Bon, ils peuvent rien faire de là. À part mourir. Ok. C'est hilarant. C'est hilarant. Bon, attends. Il y en a un qui descend sur moi. Toi, tu dégages. Ils sont pas nombreux, mais ils sont nombreux quand même. Attends. Ah merde. Touché. Touché. Coulé. Attends, attends. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Mon dent de tigre. Ok. Bon, je fais vraiment ma victime là, mais j'ai pas envie de faire de la merde en fait. J'ai pas envie de faire de la merde. Alors c'est surtout là qu'il y a pas mal de people. Donc on va commencer par ici. Ah, j'aurais pu envoyer une bombe, je suis bête. Je suis bête, bien sûr que je suis bête. J'aurais pu envoyer des bombes. Paf. Dommage. Voilà, touché dans la cuisse. T'arrives à monter? Attends, un petit coup de grappin là. Y'avait pas un grappin? Ah. Oh non. Voilà. 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 Excuse-moi, ma belle. Voilà. Non, toi, viens ici. Voilà. Oh non, il est mort. Alors attendez. Ça, c'est pas top. Oh putain, un mastodonte. Ok. Ok. Dépêche là. Je parle plus, désolé. Ah, il est mort, c'est bon. C'est bon, il est mort. Désolé, hein, je parlais plus là, j'étais vraiment pas bien. Pas te mentir que j'étais pas bien. Ouh. J'ai eu si peur. Et je suis sûr que je vais prendre le masque et il y aura des renforts quand même. C'est ça qui me fout le seum, j'aurais fait tout ça pour ça quoi. Donc on va en profiter de ce moment paisible pour un peu voir, parce que c'est une très belle grotte. C'est une très 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 belle grotte. Alors par où je peux grimper là? Là. De toute façon, je me serais fait cramer à un moment donné ou un autre, hein. À peine en escaladant ou quoi, il m'aurait vu, donc je... Je sais pas si c'était la meilleure solution que j'ai eue, mais c'était la solution la plus simple, on va dire. Alors,
Est-ce que vous êtes prêts pour la folie? Attendez d'abord. Tu vois là, j'aurais pu prendre des petits accès cachés, mais la vérité... Ou c'est peut-être pour après, hein, justement, on sait pas ce qui peut se passer. Eh, hey, regarde ça. Oh là là. Bonjour. Ils ont tellement de petits accès comme ça, c'est un bonheur. Bon. Ah mince, ouais, bah du coup, excusez-moi pour ce petit retardement. Grrr. Tiens, on va enflammer la flèche. Sait-on jamais ce qui peut nous arriver. Allez. Bah alors. Wesh. 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 Eh mais attends, mais ça va pas la tête. Bon, ils ont vu mon tigre. Oh, je me suis chié dessus là. Eh, cette cinématique, elle m'a fait bader. Cette cinématique, elle m'a fait bader. Je suis censé m'échapper où là, frère? C'est une dinguerie. Oh, je me chie dessus, je me chie dessus. Elle me fait trop peur cette femme. Là je pourrais passer par là en vrai. Attends, mais on peut se barrer normalement? Non, il n'y a pas... Mais attendez, il y avait un accès extérieur. Ok. Bon, je vais sacrifier mon dent de sabre. Ah, je peux pas passer là? Mais attendez, je suis rentré par où moi? Je peux pas sortir par là où je suis rentré? Attendez, 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 attendez. Je suis rentré par là. Ah ouais? Mais non, je suis pas rentré par là, les gars. Et je suis rentré par là, hein. Ah, je peux plus revenir, excellent. Excellent. Ok. Aha! Bon, il y a beaucoup trop de people. Hein. Il y a beaucoup trop de people. Il a pas eu le temps d'appeler les renforts, je crois. Bon. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Comment je me chie dessus? Allez, grouille. T'es sérieux là? Ok. Ah yes. Ah yes. Oh putain. Oh putain. C'est la merde! Aïe aïe aïe! Allez, j'appelle Dents de sabre bis. Attaque! Oh là 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 là, j'aime pas ce jeu! J'aime pas ce jeu!
Voilà. J'aime pas. Oh, il l'a pris par derrière, c'est bon. Ça, c'est magnifique. Attaque-le là. Attaque-le vite. Voilà. Allez. Oh putain. Ta gueule. Juste ta gueule. Aïe aïe aïe. Hop. Oh là là, c'est beau. J'ai pas perdu la main quand même hein. Ok. Ok. Un petit checkpoint s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Moi je vais sortir par là hein. Hop. Ta gueule. Comment ça mon ref? Oh là là. Oh non. Ah non. Ah non hein. Ah non 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 hein. Debout. Moi j'affronte pas le mastodonte hein. J'ai déjà donné hein. J'ai déjà donné. Allah Allah. Allez salut. Ah. Oh la dinguerie que je vous ai proposée. Oh la dinguerie. Je suis très content de moi quand même hein. Je suis très 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 content de moi les amis. Ça mérite un maximum de pouces bleus quand même pour cette dinguerie. On retourne au village directement. Je sens que c'est la merde. Kubarata. Kratis. Prashkwa. Krati. 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 Barata. Krati Dwaya. Mati. Quarpati Dwaya. Ura, Rasqua Wasa, Krati Mua, Ursus Tugistar, Twaezamla, Tubata Riguanam, Parshwa, Shaugasam, Majis Guaris, Tausta, Ura Bauga, Habataris, Dahisna Waika. Bakar, O Sustugistar, Tanhidaha. Alors, j'ai plusieurs façons de la faire crier. Tu sais, on parlait de trompe d'éléphant tout à l'heure. Alors là, on a un nouveau boss, donc on va jamais s'en sortir, c'est incroyable. Hein. Je fais un petit rappel des lieux quand même. On avait un boss ici, finalement on en a deux. D'accord. On avait un boss ici, bah finalement on en a deux. Enfin bref. Très difficile, très difficile, très difficile, très difficile. Nous avons 4 méchants à présent. Et ce qui est top, c'est que on se fait vraiment nos potes, hein, si je puis dire, on se fait nos ennemis en même temps. Donc plutôt qu'affronter un grand méchant, puis en affronter un autre. Non, là, on a les 4 d'un coup. Alors c'est plutôt pas mal. Ça sent pas bon du tout. Ah, je vous le dis. Maison de Batari. Je me prépare, puis je frappe. Hein. Pas de problème. Mais pourquoi au village il n'y a plus les marquages là? Énerve ça. J'aimerais bien améliorer la hutte d'abord là. Voilà la hutte de Jaima. Mais bon, il me faut de la peau de serre. C'est chiant. Qu'est-ce que je peux confectionner? Ceinture de couteau de lancer, peau de blaireau, let's go! Maintenant je peux transporter jusqu'à 6 couteaux de chaque type et même jusqu'à 8 couteaux. Et même jusqu'à 10 couteaux! Oh là 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 là, non mais là c'est une dinguerie de faire ça. Hein. C'est une dinguerie de faire ça. Donc là les couteaux. Et voilà.
Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, bah voilà. Bonne chose de faite. Une très 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 bonne chose de faite. Bon, bah du coup, les amis, en termes d'ailleurs de... Non, attendez, juste... Juste en dehors de tout ce qu'il y a secondaire. Hein. Mission principale, c'est ça, ça. Ça et ça. Il n'y a plus de... T'es en train de me dire qu'il n'y a plus de mission... Pardon ? Attends, quoi ? Je rêve pas. Je rêve pas, il n'y a plus de mission genre avec nos frérots, là. Il n'y a plus de mission principale à parler. Attendez, non, vous foutez de ma gueule. On y est, là ? Mais non. Mais non. Bon, on a des... Bon, ça, c'est exploré. On a des grottes à explorer. On a des mains d'Aïcha à trouver. Tout ça, c'est secondaire. Hein. Et ça, on le fera. On a des avant-postes à faire, des bûchers à faire. Vous inquiétez pas. Mais là, en termes d'histoire... Réel, on n'a plus que l'effort à faire là. Mais non. Alors, c'est pas non plus la fin du jeu, hein, attention. Hein. Puis il faut qu'on se prépare aussi. Hein. Là, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. Mais c'est juste pour vous dire. Alors attendez. Juste pour confirmer ce que je raconte. Juste pour confirmer ce que je raconte. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici. Voilà. Attendez. Hein. Donc là, ouais, bon, bah, le village, comme vous l'avez compris, hein, faut que je puisse faire les huttes. Il y a encore des trucs à découvrir, a priori. Deux trucs à découvrir. On a des... bah voilà. Il y a des histoires à découvrir encore, attention. Hein. Et ça, je pense que ça va être avec les boss finaux. Enfin, les boss finaux, les boss qui nous attendent, en tout cas. Ok. Mais sinon, toutes les histoires qu'on a déjà vues, on les a toutes faites, tu vois. L'histoire de Jaima, Karouche, Wuga. Très bien. Bon, on est à la moitié du jeu, mais... On n'a plus vraiment de guide là, hein. Là ça y est, on est... Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Absolument dingue. Lieu important, 5 sur 10, pas mal ça. J'espère que vous avez kiffé, vraiment, sincèrement les amis. Si c'est le cas, eh ben lâchez votre plus beau like. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Prochain épisode, j'adore ce qui se passe. J'adore le concept. Bon, prochain épisode du coup on se prépare, hein. On va farmer, on va chasser, on va s'amuser, on va explorer, découvrir... Tout simplement, ni plus ni moins. Plein de bisous, à très vite, ciao tout le monde. Toi qui fais cette vidéo, t'aimes Colo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache nouvelle vidéo en ligne à 16h. Tu fais plaisir.